Un auteur est parfois fasciné par la simple idée d'une rencontre, cet instant où deux personnages qui sont supposés être opposés vont finalement se retrouver et faire l'essence même d'un récit. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui voit l'origine de son cinéma au travers de la rencontre de deux êtres lointains, mais pourtant si proches. Roche Dizem est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 29 ans. Connu par beaucoup comme acteur, c'est en tant que réalisateur qu'il réussira à trouver un nouveau regard et une nouvelle manière de concevoir son art en imaginant un univers de cinéma qui mêle avec habileté récit cinématographique pur et ancrage dans notre société fort. Une société que Zem regarde avec les yeux d'un passionné de l'être humain, cherchant avant tout donc à mettre en avant la rencontre naissante ou au contraire profondément ancrée dans ses récits de deux personnages. De cette rencontre naît l'essence même de tout récit, naît l'essence même de tout rapport humain, naît une histoire qui va devenir extraordinaire. C'est dans la beauté de ce genre de récit que l'on construit les histoires qui touchent le mieux le spectateur, et c'est cela que Roche Dizem a réussi à saisir et lui a permis de construire un cinéma intime et grand public à la fois. On se sent emporté par les rapports qu'entretiennent ces personnages, comme une nécessité humaniste qui nous incite à comprendre pourquoi à ce moment, ces deux protagonistes se sont imaginés faire un bout de chemin ensemble. Il donne ainsi un impact fort à son cinéma qui réussit à faire écho au spectateur, que celui-ci adhère ou non aux idées véhiculées par le long métrage, car c'est en s'engageant que Zem a réussi à faire sa patte de metteur en scène. Car même si sa forme semble chercher de plus en plus une forme de classicisme cinématographique dans ses récits, son fond cherche tout de même un engagement. Que ce soit dans la rencontre d'un homme et d'une femme opposés par des idéologies, de deux hommes séparés par la justice, ou d'un père et d'un fils qui ne recherchent pas la même chose dans ce monde, Zem veut montrer un engagement politique et social envers le spectateur. Un engagement qui permet à son cinéma de faire écho à ce qui fait la force de l'être humain, son combat du quotidien pour ses convictions. L'attachement de l'homme envers l'autre que Zem parvient à traduire au travers d'un regard humaniste sur ses protagonistes. C'est là toute la force de son cinéma et l'origine même de l'impact de ses récits sur nous. En parvenant à faire écho à nos canaux sociétaux et moraux, Roche Dizem cherche à faire évoluer le regard de l'homme sur son prochain. C'est ce qui fait la beauté de son cinéma, cherchant bien plus que simplement raconter la rencontre de deux êtres, voués à faire donc un bout de chemin, mais plutôt toucher les convictions les plus profondes du spectateur pour lui montrer que ses personnages ont toujours été liés. En faisant cela, Zem combat ici les idées préconçues, les facilités que notre société nous pousse à choisir, et avant tout, l'idée même de désocialisation, en admettant que ce qui nous relie, c'est avant tout le fait d'aller vers l'autre pour le comprendre. Plonger dans les films de Roche Dizem, c'est tenter de regarder son prochain sans a priori, sans la moindre idée préconçue, mais simplement en voulant apprendre à le connaître. Là où beaucoup basent leur cinéma sur des clichés, Zem cherche à créer des protagonistes qui vont à l'encontre de ces clichés, pour ensuite les lier grâce à l'essence même du cinéma, l'émotion.